Bonjour tout le monde, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va concerner aujourd'hui les bordures. Mais les bordures, restent attachées à la carte. Voici un exemple d'une bordure que j'ai rattachée à ma carte de façon à faire deux jolies bordures sur ma carte. Je vais vous montrer donc la bordure. Donc normalement, la bordure, en principe, elle se découpe à ce niveau-là. Mais pour faire cette carte, eh bien, il faut découper partiellement, c'est-à-dire qu'il faut arrêter la découpe à ce niveau-là. Et je vais vous montrer comment procéder. Et quand je dis arrêter à ce niveau-là, je veux dire qu'il n'y ait pas de découpe sur ce niveau-là. Il doit juste y avoir la découpe tout autour, mais ici, elle doit rester attachée à la carte. Donc pour cela, eh bien, je positionne mon dice, voilà, en bordure comme ça, et je l'attache, voilà, avec du scotch repositionnable, de façon à ce qu'il ne bouge pas. Voilà une partie de faite. Et ensuite, eh bien, je veux que la carte reste attachée jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que mon trait de découpe normalement est en dessous et moi je veux l'arrêter avant. Donc je fais deux petits repères. Et ces deux petits repères-là vont me permettre de mettre la carte sur mes plaques. Alors pour ça, vous avez des plaques qui sont carrément plates et d'autres qui sont plates en finition et d'autres comme la mienne qui est en biseau, légèrement biseauté. Il faut que mon trait que je viens de faire au crayon s'arrête à la bordure avant le biseau. Parce que pour que ça ne découpe pas, il faut que ce soit dans le vide. Donc, il faut l'arrêter avant le biseau. Et je vais coller de façon à ce que ça tienne bien sur ma plaque. Alors, je vais mettre du scotch repositionnable. Voilà. Voilà, donc je m'arrange pour mettre mes deux traits. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mis mon trait de crayon à l'arrêt, pas en bout là, mais à l'arrêt de ma plaque avant donc la partie en biais. Et je pose l'autre dessus. Et voilà. Donc là, normalement, il n'y aura pas de découpe en totalité parce que la partie qui découpe est dans le vide. Alors, je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc voilà, je vais la passer donc sous la bit shop. Alors je vous laisse, je la passe sous la bit shop. Voilà. Donc là, je l'ai passée sous la bit shop. Alors, je défais délicatement. Je retire mes scotch qui m'ont permis de maintenir et je finis donc la découpe au cutter pour la partie que je vais détacher. Voilà, ici aussi. Alors j'ai une petite découpe à faire. Voilà. Donc, vous voyez donc la partie est bien attenante à ma carte. Je ne sais pas si l'on voit bien. Alors, je vais vous défaire toutes les découpes. Voilà ce qui vaut bien se défaire. J'aurais peut-être dû le passer encore une fois de plus. Il faut au moins 4 à 5 allers-retours avec ce.
avec cette bordure là. Voilà. Et comme là on a arrêté la découpe bien avant, il faudra finir avec la règle. Voilà. Je repasse sur les sur mes petits losanges. Pour pouvoir les détacher. Alors des fois ça se défait bien, d'autres fois pas. Donc comme là ça ne s'est pas détaché tout seul. Mais bon, on finit au cutter et puis c'est tout. Voilà. Je vais retourner. Je vais faire des rides assez. J'ai pas appuyé assez fort. Alors c'est vrai qu'il faut s'exercer parce que on ne réussit pas. Moi j'ai pas réussi toujours du premier coup. Donc je pense qu'il faut quand même un petit peu d'entraînement pour pouvoir faire cette découpe partielle sans le découper en totalité. Voilà. Donc j'en ai encore deux parties là qui se sont pas détachées. Peut-être que mon die aurait besoin aussi d'être affûté à force de... découper. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, mon morceau, ma bordure est d'un seul morceau. Alors si vous voulez faire également de l'autre côté, il y a un petit calcul à faire avant. Pour faire ce petit calcul, il faut mesurer la largeur de votre die. Donc là, ce die-là, à l'arrêt, avant donc cette bordure là, donc de là à là, il fait 5,5. Donc 5,5 une fois, il faudra 5,5 une deuxième fois pour que les bords soient bord à bord. Voilà, donc deux fois. Ensuite je rajoute 1,5 cm de chaque côté, donc ça fait 3 cm. Au total ça fait 14 cm. Et si je veux que le bord se chevauche, il faut retirer 1,5 mm. Donc ça fait 13,5. Voilà, donc vous avez 13,5. Et 13,5 c'est le dessus. Il faut 13,5 également pour le fond. Au total, vous avez 27,5 cm. Et on fait un repère à 27,5 cm. Donc voilà. Et là, je mettrai mon dice. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'essaye de recentrer. Voilà. J'y suis. Voilà, donc j'ai fait donc ma préparation. J'ai refait le petit trait d'arrêt sur ma plaque. Et je vais repositionner sur la plaque. Donc je remets mon petit trait de crayon avant la pente. Voilà. Et je remets la deuxième plaque à la même hauteur que la première. Et je passe sous la bead shop. Voilà, j'ai passé sous la bead shop. Maintenant,
vais décoller délicatement. Voilà. Alors cette fois-ci, ça s'est mieux détaché parce que j'ai mis un carton supplémentaire. Ah, il reste encore un petit bout ici à finir au cutter. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Reste plus que bah, les deux petits là qui résistent. Alors, je le finis au cutter. Voilà, et je coupe pareil comme tout à l'heure les bordures. Et voilà, donc voilà votre carte terminée. Reste plus bah, qu'à faire les pliures à 1,5 cm de chaque côté. Donc voilà, j'ai fait mes repères à 1,5 cm du bord de mes découpes de petits losanges. Donc maintenant, reste plus bah, qu'à faire mes pliures. En voilà une. Et en voilà deux. Donc pour faire la pliure, moi je le mets sur l'envers. Voilà. Et ensuite, eh bien, on rabat. Et voilà, voilà, votre carte est terminée. Donc vous voyez, mes deux bords se sont rejoints comme je voulais. Peut-être un petit millimètre de trop, hein, ou 2 mm de trop. Enfin bon, ça passe quand même. Et voilà, voilà, votre carte est terminée. Et vous voyez, tout est relié, il n'y a pas du tout de coupure. C'est d'un seul morceau. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera surtout utile. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir qui regarde mes vidéos et ce qu'elles en pensent. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!